Je vais peut-être faire quelques mots d'introduction pour replacer le webinaire dans la série qu'on a initiée depuis la fin de l'année dernière pour les intervenants. Donc, nous avons mis en place avec un certain nombre de partenaires une série de webinaires sur l'éthique de la recherche, l'intégrité et la responsabilité scientifique en situation de crise sanitaire. Et donc, nous avons continué un certain nombre de thématiques parmi lesquelles les rapports entre expertise scientifique et décision politique. Alors, je vais peut-être débuter le propos introductif pour qu'on ne prenne pas trop de retard. Voilà, alors avant toute chose, merci d'être là. Bonsoir à tous pour donc ce nouveau webinaire consacré à l'éthique de la recherche, l'intégrité et la responsabilité scientifique en situation de crise sanitaire. Donc le webinaire d'aujourd'hui est consacré aux institutions nationales et européennes placées sous tension dans le contexte de la crise sanitaire. Alors je voudrais simplement dire quelques mots de cette approche institutionnelle, puisqu'elle a déjà, elle a déjà été testée avec le webinaire du 20 janvier où il a été question des conseils scientifiques nationaux et de leur rôle. Alors dans le cadre de ce webinaire, j'en dis quelques mots pour mettre en évidence la cohérence de notre propos. On a dit combien les expertises scientifiques qui avaient été sollicitées dans différents pays étaient confrontées aux mêmes difficultés par-delà les diversités institutionnelles. Donc le cas de la France a bien sûr été utilisé. Laetitia Aclani-Duhaut, qui est membre du Conseil scientifique Covid-19, est intervenue, de même que Jean-François Mattei pour évoquer le rôle de l'Académie de médecine. Dans le cadre de ce webinaire, Mylène Deschênes, pour le Fonds de recherche du Québec, nous a ouvert des perspectives comparatistes, donc avec une expérience assez différente de celle de la France, mais qui a mis en évidence que le choix de créer des institutions ad hoc, alors qu'il peut parfaitement répondre à des attentes politiques, ne va pas nécessairement de soi et que d'autres modèles peuvent être retenus. Alors, il nous appartient aujourd'hui de prolonger cette réflexion. Nous allons aussi l'ouvrir dans le contexte européen. Et pour cela, nous entendrons ce soir trois intervenants que je remercie de leur contribution à notre réflexion. Dans quelques minutes, nous allons entendre Virginie Pirard, qui est donc responsable de la cellule éthique de l'Institut Pasteur et membre du comité consultatif de bioéthique de Belgique. Son expérience dans le contexte belge nous éclairera et nous amènera à évoquer les enjeux éthiques de la priorisation dans la vaccination. Mais je sais qu'elle sera amenée également à dire quelques mots à propos de COVAX. Nous entendrons après Didier Truchet. Didier Truchet, qui est apparu tout à l'heure furtivement. Donc, il est professeur émérite de l'Université Panthéon-Assas, président d'honneur de l'Association française de droit de la santé. Et Didier Truchet est l'auteur d'un rapport sur l'expertise publique en matière de santé, d'environnement et d'alimentation qui a été remis à la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation en décembre 2019. Donc un rapport remis à Frédéric Vidal, donc avant la crise. Et Didier Truchet nous dira donc si les conclusions auxquelles il était parvenu il y a un peu plus d'un an méritent d'être revisitées au regard des enseignements de la crise sanitaire. Et il abordera naturellement la question de l'indépendance de l'expert, qui est une question centrale, mais naturellement la réflexion dans le contexte actuel sera affinée à propos de l'expertise dans un contexte d'urgence. Alors nous entendrons ensuite Alexei Greenbaum,
qui avait une obligation importante qui avait été programmée de longue date pour cet horaire à 18h. Donc, ils nous rejoindront un peu plus tard, nous le remercions. Donc, Alexei est philosophe et physicien. Il est chercheur au laboratoire LARSIM du CEA Saclay, membre du comité national pilote d'éthique du numérique et de la commission d'éthique de la recherche en numérique. Et il traitera ce soir, enfin, il abordera une des questions qui lui sont familières au regard de ses activités d'expertise, c'est-à-dire la question du traçage à travers un certain nombre de cas identifiés en Europe. Alors, avant d'écouter les intervenants, je voudrais simplement dire quelques mots pour souligner combien nous connaissons ces jours-ci une nouvelle illustration des tensions vécues par les institutions. Je veux parler du rôle joué par l'Union européenne en matière de conception et d'achat de vaccins contre la COVID-19. Rôle qui est à relever, probablement à saluer, mais qui, depuis quelques jours, est au cœur de la controverse. L'épidémie de COVID-19 a amené l'Union européenne donc à s'investir de manière majeure au stade de la conception de vaccins et aujourd'hui dans le cadre de la définition d'une stratégie vaccinale commune. Alors à cet égard, comme c'est souvent le cas concernant l'Union européenne, des reproches contradictoires semblent lui être adressés. Et il faut certainement se rappeler dans ce contexte que les compétences de l'Union européenne en matière de santé sont des compétences limitées. L'Union européenne est dotée de politique de santé, mais cette politique de santé est conçue dans le cadre d'une compétence d'appui. En d'autres termes, les États ont vocation à conserver l'initiative en la matière, tandis que l'Union européenne joue un rôle de soutien. Alors, il en est ainsi parce que les États membres l'ont voulu. C'est donc par la volonté des États que nous sommes dans cette situation. Or, actuellement, il est reproché à l'Union de ne pas faire plus, de ne pas faire plus vite et de ne pas faire mieux. L'impulsion volontariste de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a pourtant été là. L'Union européenne a mis en place une stratégie européenne d'achat groupé de vaccins avec une mutualisation des commandes. C'est la Commission européenne qui a négocié l'achat groupé. Et il s'agissait autant d'éviter la concurrence entre les États membres que de garantir la qualité des vaccins. Les commandes ont été sécurisées, les autorisations d'urgence ont été mises de côté, les contrats comportent des clauses sur les délais de livraison, sur la responsabilité des laboratoires pharmaceutiques dont on sait l'importance aujourd'hui. Mais il convient aussi de faire face à l'urgence, aux enjeux de la vaccination de masse et le retard pris pour prendre des décisions pour obtenir les livraisons de vaccins soulève aujourd'hui nombre de questions. Alors, naturellement, le contexte sanitaire joue dans ces interrogations et probablement aussi dans ces reproches. Certains États sont une nouvelle fois spécialement touchés. De nouveau, il faut faire face et la fermeture des frontières constitue un repli national symboliquement fort en rupture avec la liberté d'aller venir dont on sait qu'elle est essentielle dans le cadre de l'Union européenne. Alors c'est dans ce contexte que nous allons nous interroger ce soir sur les solidarités qui peuvent être mises en œuvre et Virginie donc sera la première intervenante. Je lui donne la parole et je la remercie de son intervention de ce soir.